Je coupe le morceau, plus long que ce que j'ai besoin, c'est pas grave. Voilà, une fois que je l'ai coupé, je le pose sur ma plaque en acier ou peu importe, et je vais le redresser. Donc je pose un couteau bien plat dessus, voilà, et je vais tourner le plus longtemps possible. Alors, on sent des petites vibrations. Quand il n'y a plus de vibrations, on peut considérer qu'il est plat, qu'il est bien aligné. Là, je pense que j'ai une tige qui est plutôt droite. Ok. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est pas compliqué à faire. Voilà. Une fois que j'ai fait ma tige droite, je vais au bout de cette tige-là, je vais la rendre pointue. Donc je prends la petite machine comme ça, je mets ça dedans. Pas trop long, hein. Voilà, donc ça elle est bien comme ça. Et je vais faire tourner ça. Je vais limer tout simplement la partie de mon extrémité en pointe pour que ça puisse rentrer facilement dans les logements, enfin dans les axes après. Voilà, j'obtiens quelque chose de pointu. Tu le vois, le pointu? Tu vois? Mais faut avoir deux mains en fait. Il faudrait quelqu'un qui tienne la machine. Comme ça. Voilà. Là, j'ai un petit pointu, et c'est ce petit pointu-là qui va me permettre de rentrer très plus facilement dans les pièces. Ok. Ça se voit pas beaucoup, hein, On mais voit pas très bien. ouais, on le voit, mais il est pointu. Il est plus plat comme avant. Ok. D'accord?